C'est la première fois qu'on regarde Jamel Debbouze à la télé depuis. Quand je pensais lui était un petit délinquant, maintenant, comme il a monté, au fait, il a caché son jeu. Le 17 janvier, il avait 28 ans. Il commence à parler sur le plateau de la télé et tout ça, mais il ment. Et nous, on avait beaucoup de mal à faire pour regarder la télé. Hein. Franchement, franchement. Hein. Moi, je ne le souhaite pas une autre mère ni un autre père de souffrir comme nous, mais... Quand on pense qu'on a un enfant qui est décédé, on peut faire notre deuil, mais nous, on ne fera jamais notre deuil. Et ça fait 28 ans, Francky. Mm-hmm. Voilà. Et lui, monsieur, il montre comme si c'est rien du tout. Et c'est pas ça, le 23 janvier aussi, j'ai reçu pas mal de journalistes. Lui, il a fait un plateau aussi sur la télé en métropole. Oui. Mais une fois qu'on est rentré, et maintenant, on était déjà rentré ici. Et puis, j'ai appris tout ça. Mais moi, j'ai appelé la télévision, j'ai envoyé un courrier, je ne vais pas laisser ça comme ça, parce que lui, il a dit, mais la vie continue pour lui, parce que son copain Jean-Paul Admette, il est mort. Ah, moi, il disait à ce moment-là, son copain Jean-Paul Admette. Oui, et là, hier, il ne parle pas, rien. Et voilà, il est en train de mentir, c'est comme ça, il va le payer, c'est quand il va tuer quelqu'un d'autre, ou souffrir comme nous. Mais ça se voit qu'il n'est pas net dans sa peau, Francky. Parce qu'il faut qu'il... Simplement de nous dire la vérité, ça veut dire que notre fils, il va pas revenir. Mais jusqu'à quand on va souffrir comme ça dans notre cœur? Lui, il se vit bien. Voilà, il rigole avec les enfants. Et encore, heureusement, Dieu merci, la fille lui a posé la question. Mm-hmm. Voilà, comment fait-il? Mais il est en train de mentir. Tout ce qu'il dit, c'est faux. Et c'est faux. Et il fait que semblant pour être pour les Français, mais finalement, c'est faux. Partout, je reçois des messages, je reçois de plein de trucs sur lui. Mais il a menti encore une fois hier, Francky. Et je regarde, c'est la première fois qu'on regardait. On était mal, hein. On pouvait plus dormir. Parce que quand on voit des trucs comme ça à nos yeux, même pour, je sais pas pour les autres familles, mais pour nous, et ça nous touche beaucoup, hein. Mmh. Il raconte que des conneries. Et là-bas, il a dit la vie continue parce qu'il a fait interview sur un plateau de la télévision Métropole. C'est pour la sortie d'un livre pour Attrape. Et figure, nous, on est partis à la gare Trappe, non. Ouais. On est partis à la mairie Trappe, on est partis à la gare Trappe parce que nous, on voulait demander une autorisation pour pouvoir mettre une plaque à la gare de Trappe où notre fils est décédé. Oui. Auparavant, à chaque fois on partait avec une photo de notre fils, un gerbe de fleurs. Après, on se cache toujours plus loin pour voir s'il ne nous jette pas le bouquet. Et maintenant, quand on rentre là-bas, il n'y a que la race de ça même. Il n'y a pas Français qui travaille dans la gare de Trappe. Il nous dit, va dehors là-bas, on va poser notre bouquet de fleurs. Voilà, c'est ça. Et bien, cette année, on n'a pas pu mettre parce qu'à chaque fois, c'est le même refrain. Normalement, c'est tous les ans, on dépense un gerbe de fleurs et la photo de notre fils. Et puis, appel à témoins. Mais maintenant, ils ne veulent plus. Mais nous, on a envoyé un courrier aussi au directeur de la SNCF pour pouvoir demander le droit, pour pouvoir avoir autorisation pour demander une autorisation pour mettre une plaque pour notre fils. Et bien, nous, on attend toujours la réponse. Et la mairie de Trappe, c'est bon. Elle nous a dit, pas de souci, mais il faut que
directeur de SANCF de Versailles nous accorde. Eh bien, on a fait ça. J'ai en profité aussi pour pouvoir retirer les extraits de décès de notre fils. Oui. 3 janvier 2018, j'ai les preuves. Eh bien, voilà. Et étant donné, dès qu'une fois qu'on a pris l'avion, on est rentré, et c'est monsieur qui passe à la télé. Un fil de plus, on aurait pu être là-bas. Ah ben là, on n'aurait pas lâché l'affaire, hein, Francky, hein. Franchement. Mais ce qui est incroyable, également, Marlène admet, c'est que dans ce qui s'est passé là en 1990, il y avait des témoins. Oui. Il y en a des témoins. Mais il y a même une fille africaine, et ben quand M. Bernard Violet écrivain l'a contactée, et ben elle est devenue amnésique. Elle est devenue amnésique? Oui, et entre-temps, elle a eu un bel villa, et un bon travail, elle a tout. C'est-à-dire que subitement, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé? Oui. Et moi, j'étais en rapport avec le chauffeur de train. Le chauffeur de train m'a toujours dit, madame, je suis désolée, toute notre condoléance pour votre fils. Mais madame, approchez-vous vers la gare de Trappes. On arrive à la gare de Trappes, il ne recevra pas. Voilà, personne. Voilà, c'est le chauffeur de train, parce que nous, on a pris un détective privé pour pouvoir retrouver le chauffeur de train. Et en plus, moi, quand je dis ça, j'ai des papiers, Francky, hein. Voilà, et on retrouve un chauffeur de train, c'est pas le bon. On retrouve deuxième chauffeur de train, c'est pas le bon. Et le troisième, parce que trois personnes, ils se portent même nom et même prénom. Ah d'accord, voilà. D'accord. Oui, et le troisième, c'était le bon, mais après, on était en relation avec, et ben le chauffeur train, il m'a dit, madame, je suis désolée, approchez-vous et dans la gare Trappes. À chaque fois, on fait ça même, à un moment donné, on est déboussolé, on ne comprend plus rien, Francky. Ouais, et il y a quand même des choses étranges, là, parce que je reviens sur ce que vous disiez, Marlène Admet, ouais. Il y a eu un témoin. Ce témoin est devenu amnésique, est revenu sur sa déclaration. Et aujourd'hui, elle a une belle maison, elle vit bien. On a l'impression qu'elle a été payée, quoi, c'est ça? Voilà, vous avez sauvé le mot, Francky, voilà. Et voilà, et tout au long aussi, l'avocat. Et je pense aussi à la dernière minute que l'avocat, il veut plus entendre rien non plus. Mais là, je me pose la question dans ma tête. Et l'avocat aussi l'a changé. Ouais. Votre avocat, vous parlez? Oui. Et moi, je chercherai un bon avocat, moi, si je trouve. Je lui ai dit, donnez-moi mes papiers. Ils m'ont dit, madame, vous avez tous les papiers avec vous. J'ai dit, ah bon, c'est ça, tous les papiers, alors? Et comme ça, j'ai dit, ben, si vous faites pas rien, à chaque fois, vous me dites qu'il faut un dossier en béton. À chaque fois, il y a le témoin. Regarde le témoin Cal. Il a eu beaucoup de soucis, hein? Beaucoup de problèmes, hein? Francky, je vous dis, hein, tout ce qu'il a vu, il veut témoigner, il veut nous aider. Après, on entend soit les malades, soit ils disparaissent. Et même à La Réunion, il y en a. Hein. Oui. Et ben, je parle. Maintenant, on se parle moins, mais il y en a. Et après, on dirait tout devient pareil. Mais là, dernièrement, j'étais voir mon avocat là-bas, à Versailles, je lui ai expliqué, mais c'est que. Quelque chose quand même, il nous reste 2 ans. Il nous a dit, ben, il faut avoir un dossier en béton. J'ai dit, oh, je veux chercher un dossier en béton. Maintenant, on n'a pas le dossier en béton. Et parce que vu que la fille africaine, là, elle n'était jamais présentée au tribunal, sans dire. Hein. C'était un témoin fantôme. C'est le témoin principal, justement. Oui. Et, écoute-moi bien, Francky, je vous dis ça. Je vous dis, j'ai les papiers en main. C'est les Portugais. Des Portugais. Aujourd'hui, si les gens ils veulent savoir, comme les gens ils pensent que nous, quoi, d'ailleurs, Jamel Debout, pour avoir l'argent, non. On aurait bien voulu manger notre bread, bouillon bread ou gaille tomate, et bien pas prendre les sacs de médicaments. Mais notre fils était vivant. Voilà. Parce que l'argent, ça ne rentre à rien. Bon, il faut vivre. Mais on ne va pas emmener ça là-haut. Eh bien, il y avait une fille, une dame portugaise, Francky. À l'époque, j'étais bien, j'ai travaillé, j'ai perdu mon travail. Et si les gens ne savent pas, ils pensent que je touche beaucoup, ben ils se trompent. J'ai perdu mon travail depuis l'accident de notre fils. Je travaille plus, je travaille pour moi-même, je fais mon ménage moi-même. Mmh. Je n'ai pas honte de raconter. C'est comme ça. Et je n'ai pas honte de dire je suis malade. Parce que quand je sors, je ris, je passe. Si je peux aider les gens, je l'aide.
en parlant, peu importe. Si les gens sont malades, je veux la voir. Parce que je connais la souffrance que j'ai souffert toutes ces années, tranquille. Et bien là, j'ai travaillé. Il y avait une dame portugaise, elle était avec moi. Et puis tout d'un coup, elle me dit, elle me raconte quelque chose. Mais moi, j'étais toujours malade, mais j'étais obligée d'aller travailler quand même pour ma place de travail. Et bien là, il y a une dame portugaise, elle me dit, tu t'appelles Marlène, toi? J'ai dit oui, et tu es raisonnable. J'ai dit oui. Elle a dit, Marlène, tu sais, il y a un monsieur qui travaille à la mairie de Guyancourt. J'ai dit, ah bon? Oui, oui, c'est un monsieur réunionnais qui travaille pour la mairie de Guyancourt. Eh bien, tu sais, Marlène, il a perdu son fils, hein? J'ai dit, ah bon? Et la dame portugaise s'appelle Emilia. Et j'ai les papiers, hein, avec moi, tous les papiers, carte d'identité, photocopie passeport, et carte séjour, je l'ai tout avec moi. Mm-hmm. Et bien, après, cette dame, elle me dit, et c'est la vérité, si je dis aujourd'hui, c'est tout, c'est la vérité. Elle me dit, ce monsieur-là, là, Marlène, tu sais, hein, et ce petit monsieur réunionnais, là, ils sont de La Réunion, je crois. Mm-hmm. Ah, j'ai dit, ah bon? Mais je savais c'était qui elle était en train de parler. Après, elle a dit, ce monsieur-là a perdu son fils. Et tu sais comment il a perdu son garçon? La jamais des blouses à pousser. La pousse sur le train. Et tu sais pourquoi? Pour être blouson en shérif. J'ai dit, ah bon? Comme ça. Elle a dit, ah, ce monsieur-là, il fait pitié, il est triste. Et en plus, et sa femme aussi, sa femme, elle est beaucoup triste. Et puis la dame, elle parlait avec moi, elle parlait, jusqu'à quand je suis tombée. Et quand elle partait comme ça, elle a pris de l'eau, elle m'a donné tout ça. Après, elle me dit, Marlène, réveille-toi. J'ai dit, Emilia, c'est moi la maman. Oui, c'est énorme, parce qu'elle était en train de vous raconter votre histoire sans savoir que c'était vous. Voilà. Et moi, j'ai tous les papiers. Tous les papiers de cette dame et papi. Les deux, mère et fille. Et après, elle me dit, non, réveille-toi, allez pas. Mais Marlène, pourquoi tu as tombé? Ça te touche, ça. J'ai dit, c'est moi la maman. Elle a dit, ton fils s'appelle Jean-Paul. Et c'était, ma fille connaissait ton fils. J'ai dit, c'est toi la maman Jean-Paul? C'est vrai? Ah! Eh bien, excuse-moi, Marlène. Attends, j'appelle chez moi. Elle a pris le téléphone de sa serveur. Elle a pris le téléphone, elle a le téléphone chez elle. Elle a demandé sa fille. J'ai dit, Emilia, d'accord. Tu connais Edwige Anjouana? Eh bien, oui, je connais. Ilion Pascal, Ilion Jacqueline. Ben oui, je connais tout le monde. Attends, j'appelle ma fille. Ma fille, là, elle connaissait bien Jean-Paul aussi. Ah bon? J'ai dit, ah bon? Attends, j'appelle ma fille. Elle m'a mis sur une chaise. Elle m'a lavé. Et dire que, Francky, j'ai pas été travailler sans manger. Parce que j'arrivais plus à me nourrir. Je buvais que du café. Et puis, je fumais une cigarette. Encore, c'était rare dans le travail. Et puis, elle m'a donné un peu du lait glacé. J'ai les bu, mais j'ai les renvoyé. Parce que le manger, il fallait que je retourne ici en 2002 pour pouvoir recommencer à manger le bouillon bread moron. J'ai toujours dit, si je recommence à manger, je vais manger bouillon bread. Et ça, c'est sûr et certain. Quand je mangeais un petit morceau de gâteau, mes filles me disaient, ah non, maman, tu manges pas. Parce que là, tu vas, j'étais tout, là. C'est la gâchis. Voilà. Et puis, j'ai retourné ici. Mais cette dame, elle a appelé sa fille. La dame portugaise Emilia. Emilia. Et elle a appelé sa fille. Elle a dit, mais devine avec qui je suis en train de raconter une histoire, mais c'est pas une histoire, c'est réel. C'est la maman de Jean-Paul. Elle a dit, c'est vrai. Elle a dit, regarde un coup tout ce nom-là. Elle en a tout. Mais elle connaît tout. Et après, elle a parlé avec sa fille. Elle a donné un rendez-vous à Edwige Anjouana chez elle. Parce que Edwige Anjouana, il connaissait la fille la portugaise aussi. Et elle y connaissait notre fils de loin, mais pas de près. Et puis, Emilia, elle a préparé un petit rendez-vous chez elle. Et j'ai marché avec les béquilles. Moi, avec ma fille, on est parti. C'était pas trop loin. On a marché petit à petit. Et puis, on est arrivé chez elle. Elle m'a fait cacher dans le salon. Elle a dit, la fille, venez à telle heure. La fille, elle vit Jean-Juana. Et tout ça, c'est écrit sur le papier de l'avocat, Francky. Hein? Oui. Et Vision Joanna, elle se cachait, elle était dans la cuisine en train de parler avec la fille d'Emilia. Et Emilia nous a fait cacher dans le salon. Et puis, entre-temps, Emilia, il faisait le facteur. Emilia, il dit, Edwige,
Tu rappelles l'accident du 7 janvier, Jamel Debbouze? Ah ben oui, Jamel Debbouze a poussé Jean-Paul de sous le train. Ben, pour son blouson, chérie, c'est Dieu, on ne sait pas qui, hein. C'est Dieu que la maman y entend tout ça. J'ai entendu, j'ai pas dit la fille, hein. Mm-hmm. Non, j'ai pas dit de Jean Johanna. Et j'ai entendu sa voix. Et puis, ben, elle a dit, ben si, c'est Jamel Debbouze qui l'a poussé. Et ben, elle a tabassé Jean-Paul avant. Ah ben, après, quand c'était fini, il a poussé. Il a demandé l'aide. Oui, parce que la fille portugaise, il parlait comme ça. Il a demandé l'aide. Mais Jamel Debbouze a fait pousser avec ses pieds. Oh pied droit et pied gauche. Voilà. Et entre-temps, et j'ai écouté. Mmh. Et après, Emilia, il dit, Edwige, tu connais pas la maman Jean-Paul, toi? Et Edwige, il dit, non, je connais pas. Eh ben, tu sais, la maman Jean-Paul est dans mon salon. Elle a tout écouté. Elle a déviré le chapeau. Elle a dit, ah non, 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 j'ai rien vu. J'ai pas envie que mon père me renvoie au bled. Voilà. Aujourd'hui, j'ai dit tout. Au moins, les gens vont comprendre. Ouais, vont comprendre tout. Vous parce avez été témoin. On vous a tout raconté. Hein. Oui, il faut qu'il me reste 2 ans. 2 ans, je bascule les bras. Après, je sais pas comment on saura, mais j'ai bien peur qu'on meure. On ne fait pas le deuil de notre fille. Justement, une dernière question, Marlène Admet. Depuis le début, Jamel Debbouze dit, hein, depuis le décès donc de votre fille Jean-Paul, dit que dans 30 ans, il dira la vérité. Il reste 2 ans donc justement avant ses 30 ans. Hein, c'était en 1990. Est-ce que vous pensez que réellement, il va dire la vérité d'ici 2020? Ben, je ne sais pas. Je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout. Avec cette version qu'il donne là justement aujourd'hui à la télévision devant des téléspectateurs. Oui, mais c'est faux. Tout est faux. Et nous, on aimerait bien avoir un plateau face à face de lui maintenant. C'est ça qu'on veut aussi. Mmh. Oui, voilà. Vous souhaiteriez avoir une confrontation avec oui. Jamel Debbouze. Oui, face à face, parce que depuis qu'on une fois on s'est vu au tribunal, une fois lui et son père. Excuse-moi pour l'expression, Francky, j'ai dit pas ça parce qu'on n'est pas riche non plus, on est comme tout le monde, hein. On aime tout le monde aussi. Mais lui et son père, ils étaient tout sales. Et Jamel Debbouze a penché sa tête sur un coin et nous a pas regardé et le juge nous a mis dehors. Il a dit, c'est notre fils qui a tué Jamel Debbouze. Et depuis là, tout était embrouillé dans la justice parce que avait le juge expliquait que lui il a perdu sa sœur sur un moto, je sais pas quoi, mais moi j'ai répondu au juge, je suis pas venu là pour votre sœur, moi je suis venu parce que on a perdu, nous a mis dehors, notre 5, toutes les 5 dehors, voilà. Et depuis ce jour là dans la justice tout était faux. Après il y avait rien qui était bien, voilà. Eh bien, Marlène Admet. Vous prenez le tout, comme Michel vous a dit tout à l'heure. Oui. Eh ben, nous, une fois quand on est venu ici pour enterrer notre fils à La Réunion, et après on est rentré, et là, on a demandé, on est parti revoir la police, parce qu'on a dit, ben, on a 15 jours pour rentrer pour faire l'enterrement. Et puis, l'inspecteur, police, il s'appelle Alain Hay, celle-ci à l'école. Dès qu'on rentre là-bas, je suis désolée, monsieur, madame, votre fils, il est décédé, il n'a pas souffert. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, là, on vient pour ouvrir un parti civil. Et ben, il a dit, non, 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 ben, là, après, on a pris un avocat, et après, bon, ainsi de suite. Et on en est arrivé à là aujourd'hui. Oui, et l'avocat Alain est là, il dit pas la vérité aussi, parce que, entre-temps, quand j'ai travaillé, là, il y avait des dames policiers aussi qui travaillaient avec moi. Ils m'ont dit, Marlène, ben, mon mari était là. Mais tout ça, ils disent, mon mari était là, mais tout ça, ils témoignent pas. Je me contente, mon mari était là. Voilà. Ouais. Et Francky, aujourd'hui, je pense que je veux pas reculer pendant 2 ans. Mm-hmm. Là, j'attends la réponse de SNCF. J'attends la réponse de la télé. J'ai même le nom de deux dames interviewées, dit Jamel Debbouze sur la télé en métropole. Mmh. Voilà. Mais pour l'instant, je ne dis pas quelle télé. D'accord. Et j'attends le moment et j'attends la réponse. Et tout d'abord, j'avais appelé le plateau, j'avais appelé la télévision. Ben, la dame m'a répondu, il m'a dit, bon, madame,
Si c'est au niveau de Jamel Debbouze, vous ferez mieux de nous renvoyer une lettre accusée réception.